Ce festival, quand il a été créé, moi j'avais rencontré Serge Reggiani, qui attachait énormément d'importance à l'écriture. Moi, c'est ce que j'ai aimé chez ce personnage, entre autres, parce que c'était un humaniste extraordinaire, Serge. Il m'a dit, j'accepte d'être le parrain de ce festival à condition que tu défendes les mots. Donc, bien évidemment, dans le festival, tous les artistes que l'on choisit, les textes ont une importance énorme. Après, il y a l'interprétation, la présence sur scène, il y a tout ça. Et donc, l'atelier d'écriture, c'était quelque chose qui me paraissait d'une évidence, puisque ça permet à de jeunes auteurs-compositeurs de perfectionner leurs textes. On n'écrit pas un livre comme on écrit une chanson. C'est ce que m'avait dit Claude Lemel. Il me dit, tu peux écrire de merveilleux poèmes, mais tu as des paramètres à respecter quand tu écris une chanson. On sort des ateliers d'écriture qui ont duré 5 jours. On a entendu ce matin la présentation de travail de chaque stagiaire. Est-ce que tu peux nous parler de l'atelier d'écriture? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu apportes aux stagiaires? C'est quoi le principe d'un atelier d'écriture? Le principe, c'est déjà de, ça consiste un petit peu comme un sportif qui fait des échauffements. Tous les matins, on faisait un petit peu nos échauffements, des petits exercices d'écriture, un petit peu pour à la fois libérer l'expression, l'écriture, mais aussi apprendre à écrire dans un moule, un schéma, parce que forcément, la chanson est pleine de contraintes techniques. Donc, qu'il faut connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'écriture de votre texte et des contraintes qui sont liées à cette écriture dans cet atelier? Les contraintes, il y avait un thème déjà, ce qui n'est pas évident, parce qu'en général, quand j'écris quelque chose, c'est sous le coup d'une émotion, il y a un sujet qui me tarabuste tout le temps, et je prends énormément de temps pour faire une chanson. Donc là, le thème imposé d'une part, c'était une première grande contrainte. La deuxième contrainte, c'était d'essayer de trouver une mélodie pour appuyer le texte, mais ça aussi, il fallait le faire, mais c'est une mélodie, j'allais dire, d'urgence. S'il y a une porte dans mon jardin, qui sent si bon le romarin, qu'y a-t-il derrière, je n'en sais rien, mais si tu la pousses, tu verras bien. Peut-être même auras-tu envie de chanter, et le son de ta voix fera frémir. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir justement une liberté ou les contraintes aident à la création? Je pense au contraire, oui, les contraintes aident à la création parce que les contraintes nous emmènent dans une voie dans des voies auxquelles on n'a pas pensé. Et c'est souvent les bonnes chansons sont souvent des accidents. C'est la contrainte qui crée cet accident. Par rapport au texte, donc on avait 5 ou 6 sujets imposés entre guillemets, et en fait moi j'ai choisi le sujet les signes avant-coureurs, et en fait je crois que je suis un peu hors sujet parce que c'est même plus avant-coureurs les signes, c'est effectivement on va se quitter, voilà, c'est toujours très classique. Et puis j'ai essayé de faire un petit brin d'humour parce que bon, ça, d'abord ça dépend des jours, mais très souvent on écrit des choses un peu noires, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de doux et en même temps, quelques phrases qui, moi, me font rire parce que l'humour, c'est si tant est qu'on en est. Hein, chacun a son humour. Est-ce que je t'aime encore? C'est la question qui tue. Certains silences sont d'or, il y a des réponses qui tuent. Tu sais, je voulais te dire, mais surtout pas te blesser. La poubelle, quand tu la tires, ça fait du bruit, ça fait chier. Est-ce que je t'aime encore? C'est la question qui tue. Certains silences sont d'or, il y a des réponses qui tuent. C'est que d'amour, sans vouloir abuser. Je te l'ai déjà dit l'autre jour, putain, la blouse, vous la raser. Et toi, est-ce que tu m'aimes encore? Tu t'es tué. Certains silences sont forts, un peu sous-entendus. Est-ce que je t'aime encore? C'est la question qui fut. Certains silences sont d'ores et déjà rompus.
J'ai été vraiment impressionnée par le travail qu'on peut faire en une semaine, travail d'écriture et de composition. Ils sont tous différents, avec des textes qui peuvent partir du même sujet, mais avec des résultats complètement différents. Il y en a un qui a travaillé un peu sur le slam, d'autres plus sur le blues. Enfin, c'était voilà, très, très, très riche. Toi, quelle place doit avoir le texte dans la chanson ? Est-ce que ça doit être un texte qui est comme une poésie, qui doit se suffire aussi à lui-même, ou est-ce que le texte doit exister par la musique aussi ? Bah, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un texte qui suffise à lui-même, mais je pense qu'avant tout, une chanson sert à être chantée. C'est un art populaire qui doit être... je pense qu'il y a plein de chansons dont le texte n'est pas extraordinaire et qu'on a plaisir à chanter par leur simplicité qui nous touche. C'est ça le plus difficile, c'est de trouver la simplicité dans la mélodie, dans les mots, comme si on l'improvisait. C'est une fille, une œuvre, un roman d'Égérie, en attendant que les lignes porte le temps les marquer, comme noir sur blanc galopine, vivez dans le vent remarqué pour le moment. Qu'est-ce que tu attends d'un texte ? Qu'est-ce que tu aimes y trouver dedans pour qu'un texte soit réussi ? Pour toi, c'est quoi les critères plus ou moins ? Bah, moi, c'est un équilibre entre une légèreté, et la légèreté et la profondeur, c'est tout ce qu'il y a dans la vie, quoi. Des moments, ouais, voilà, légèreté et profondeur, humour et gravité, ce mélange, quoi. Ben, j'aime trouver d'abord une idée qui conduit le texte, hein. J'aime trouver de la tendresse, de l'émotion, de l'humour, enfin tout ce qui fait le parler du quotidien. Et si en plus j'ai le droit à une musique sur laquelle je me sens bien, bah je suis heureux. Ce que j'aime, c'est l'originalité. Ça m'arrive d'écouter des quantités d'albums. Les textes sont bons, la musique, la voix. Mais quand tu en as écouté 10 et que tu ne sais plus qui a chanté quoi, alors là, il y a danger. Laisse-les te dire, laisse-les me dire, laisse-les me dire, laisse-les, je t'en prie. Laisse-les boire, laisse-les croire, dans leur miroir, y'a rien à voir, alors laisse-les. Alors, un mot de la langue française que j'adore. Je pense que beaucoup ont dû répondre ça, mais c'est actuellement, je pense que dans le monde entier, c'est le mot amour, parce que... Et le mot que je déteste, c'est rentabilité. Parce que malheureusement, quand tu crées un festival, c'est merveilleux, tu rencontres des gens avec qui tu partages beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et tout d'un coup on te dit, nom d'un chien, il faut que tu penses à la rentabilité. Et je déteste ce mot rentabilité. Je trouve que malheureusement, rentabilité et création, ça ne va pas ensemble. Et pourtant, on est obligé de penser à la rentabilité. Mais ça tue la création, la rentabilité. C'est comme un arc-en-ciel, un premier rendez-vous, un rayon de soleil, rigadim, bibisou, joli Claude. T'as connu les plus grands accoucher leurs enfants, t'as connu Dalida toute nue, on sait pas, joli Claude. T'as le blues dans tes mots, t'as le blues de Jojo, joli Claude. Nos doigts courts sur le papier, il y a des jours sans idée, joli Claude. Devenir parolier, pas facile, dur métier, joli Claude. Mais le but, il est vrai, n'est pas d'être un jour des...